となりました。次のステージに駒を進めるのは果たしてどのタッグに。お客さん、一体どちらまで。わからんか。On se retrouve pour le plus grand tournoi du monde du jeu vidéo et des jeux de combat en général. Salut à tous et à toutes, c'est Galaxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la découverte aujourd'hui de Tekken Tag Tournament 2, un jeu édité par Namco Bandai et développé par ce même studio. C'est un jeu de combat, il sort en France le 14 septembre 2012 sur Xbox 360, PS3 et enfin sur la Wii U à la sortie de la console, voilà. Bon, alors la série Tekken, on le sait tous, elle reste ultra populaire dans le monde, en particulier au Japon bien sûr, où chaque volet ou presque est pratiqué par de nombreux joueurs, malgré le fait que la série a quand même été un petit peu critiquée, hein, il faut le dire. Namco Bandai Games nous a donc concocté un opus différent des autres, hein, qui va changer régulièrement du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6. Hein. Il ne s'agit pas d'un épisode suivant la série de façon logique, comme je vous l'ai dit, mais d'un deuxième tag tournament adapté d'une version arcade des salles japonaises. C'est d'ailleurs grâce aux bandes d'arcade que l'on avait reçu beaucoup d'excellents jeux très conviviaux, tels que Virtua Tennis, Virtua Fighter, et j'en passe, voilà, et c'est vraiment excellentissime. Donc si vous ne vous souvenez pas, il y a à peu près 11-12 ans, c'était sur PS2, le premier tag tournament qui était un très bon jeu de combat et qui avait la possibilité justement de mettre en avant le principe d'affrontement en équipe. Et oui, ça c'est une bonne trouvaille et c'est repris ici. Bon, depuis c'est vrai que ce n'est plus une nouveauté dans les jeux de combat, hein. Ça a été fait dans le dernier Mortal Kombat, dans Dead or Alive, dans plein de jeux, presque tous hein, même. Et donc chaque team dans ce jeu pourra être composé de deux combattants à choisir parmi une cinquantaine de personnages dans le jeu. Et ça c'est vraiment très très bien. Tekken Tag Tournament 2 Namco. Voilà, donc on va appuyer sur Start. Alors en tout cas c'est un jeu que j'attendais pas mal parce que c'est vrai que Tekken 6 j'avais bien apprécié, ceux d'avant j'avais pas spécialement joué. Je pense que le Tekken que j'ai le plus joué dans ma vie c'était Tekken 4 pour tout vous dire, ce PlayStation 2. Après c'était Tekken 6. Voilà, après ceux sur PS1 j'ai pas forcément joué. J'ai essayé juste Tekken 3 mais c'était vraiment pour le fun quoi Et puis voilà, donc on se retrouve dans le menu, alors en tout cas un joli menu plein de lumière et de faisceaux lumineux, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ce menu? Un mode en ligne, un mode hors ligne, labo de combat personnalisé, musique de Tekken, galerie, profil, options, d'accord. Donc le mode en ligne qui contient tous les modes de jeu en ligne, logique, le mode hors ligne qui contient tous les modes de jeu hors ligne. Bon après faut pas être très intelligent on va dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que c'est que les choses. Donc labo de combat par contre j'en ai entendu parler de labo de combat, apparemment ce serait une sorte d'apprentissage vraiment pour ceux qui ne connaissent pas les bases justement d'un Tekken. Donc c'est très pratique justement pour les personnes qui sont noobs dans ce jeu et dans les Tekken en général. Et oui parce que au niveau du gameplay, d'après les quelques vidéos qu'on a pu voir, c'est assez ressemblant. Voilà, donc on va voir un petit peu. Donc en tout cas, oui, alors les musiques de Tekken. Donc je voulais me poser la question justement si on pouvait mettre nos musiques, mais apparemment non. Non. Bah écoutez, on va quitter. Mais apparemment non. Dansez avec à votre propre rythme. Premier succès, énorme. Ok. Donc écoutez, nous ce qu'on va faire, profil, option, d'accord, bon très classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode hors ligne et on va faire, bon je pense qu'on va faire un mode arcade qui je pense sera le mode de jeu le plus utilisé, le plus gros mode de jeu dans ce Tag Tournament 2, hein, ça paraît évidemment logique. Combat en équipe fantôme, défi chronométré, survie, entraînement, donc rien de très révolutionnaire au niveau des modes de jeu. C'est clair, hein, on tombe dans le classique. Après je ne sais pas s'il y a un mode histoire, donc ça ce serait pas mal du tout. J'avais bien aimé dans Tekken 4, je pense qu'il avait refait dans Tekken 5, dans Tekken 6, je me souviens plus, un mode histoire en fait où on jouait à la troisième personne, c'était une sorte de jeu d'action. Je trouvais ça pas mal, même si c'est vrai qu'il était bon, pas très bien fait, mais moi je m'éclatais bien pourtant, vous voyez, j'aimais bien. Ok, mode survie. Plus d'adversaires possibles avec une jauge de santé limitée. Ouais, bah c'est le principe même d'un mode survie, hein. Le mode entraînement, bon, très classique. Pour voir les coups et les combos, etc. Oui, donc le labo de combat, ouais, je vous en ai parlé. Peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure, hein, je pense, le labo de combat, parce que c'est vrai que c'est important pour vous montrer tout simplement un petit peu ce qu'il y aura dans ce petit tuto. Voilà, bon, on va pas tout faire, hein, mais on le fera un petit peu tout à l'heure, je pense. Donc voilà, bah écoutez, on va bientôt retourner dans le mode hors ligne pour commencer ce mode arcade, je pense. En tout cas, très beau menu, hein, moi j'aime bien.
Et donc on va faire un mode arcade justement qui permet de jouer à la version arcade de ce titre qui est issu justement d'une bande d'arcade. Et oui, je sais parce que là je tourne depuis tout à l'heure, mais on va passer au jeu bien sûr. Donc on a la possibilité de se mettre en tag ou bien sûr en solo. Donc moi je vais me mettre en tag, hein, ça paraît évident hein, quand même. On n'a pas le tag Tournament 2 qui est le titre principal du jeu pour rien. Hein, on va pas jouer avec un seul personnage. Par contre, à voir, je suis curieux de voir si justement il y aura des combinaisons en duo avec deux personnages. Alors moi je prends Marshall Lowe. Et je ne sais pas qui je vais prendre. Non, je ne veux pas prendre Marshall. Attendez, il faut que je change par contre. Je voulais prendre Bob en fait en premier. Comment je peux faire? Ça me remet où? Ah, j'étais obligé de quitter le menu, d'accord. C'est nul, ça c'est nul. Allez comprendre pourquoi ça nous quitte carrément le menu alors que je voulais juste changer de personnage. C'est pas bien cool. Donc moi je prends Bob. Ouais, vas-y, Bob. Pourquoi je prends Bob? Parce que c'est un personnage déjà présent dans Tekken 6, donc je l'aime beaucoup. Et pourquoi je prends Bob? Parce que c'est tout simplement une personne que... Enfin, un perso que je trouve qui est pas cheaté, mais il est pourtant assez imposant. Il est assez balèze, mais il est vraiment assez rapide. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en tout cas. C'est les personnes bon, qui sont puissants, mais qui sont rapides. Donc voilà. Alors par contre, je sais pas, je vois dans ma capture que vous avez peut-être quelques soucis. Je sais pas si... Enfin, j'espère que ça influera pas trop sur le truc. Bon, bref. Alors, partie avec promotion. Alors oui, là, ça fait remonter un petit peu son petit côté arcade au jeu. C'est bien. C'est très très bien. Donc moi, j'ai pris Bob et Christy. Alors, Christy qui est présente justement depuis Tekken 4, si je ne m'abuse. Une belle Christy, d'ailleurs. Allez, bref, elle est à mon goût. Voilà, donc elle, son style, c'est la capoeira, un style de combat que j'adore, qui est vraiment très classe. C'est beaucoup plus de combats au sol, des combats au pied. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Bon, Bob, c'est les deux, c'est les poings et les pieds. Bon, c'est un gros bourrin, hein, normal quoi. Mais il est vraiment assez agile pour selon qu'il est balèze quoi. Donc c'est ça que j'aime bien dans Bob. C'est d'ailleurs Toonie Wake d'ailleurs qui m'a dit que Bob il était franchement tueur. Et après l'avoir essayé, je dois vous avouer que c'est clair et net qu'il est vraiment très très bon. Autant sur Tekken 6 que sur ce Tag Tournament 2, c'est clair et net. Oula. Oh mais... Ah, m'en fout plein la gueule. Tiens, mange ça, ouais. Oh, je m'en sors bien. Donc aussi le truc vraiment principal de ce Tekken, c'est justement... Allez, on change, je prends Christy. Oui, alors le style de combat change complètement. KO, ouais. Alors, promu au rang de 9ème, Q. Oui, parce qu'on est encore promu à des rangs, etc. On a vraiment des petits classements. Ouais, alors j'ai l'impression qu'il y a un bug à chaque chargement, en fait. Bon, bah tant pis, comme ça vous coupe les chargements, tant mieux. J'ai peur, parce que j'espère que ma voix ne sera pas décalée avec l'image. Enfin, on verra, au pire, je ferai un ajustement. Oh là là, le bug. Oh, c'était costaud. Alors, je suis désolé s'il y a beaucoup de bugs, c'est vraiment ennuyant. On verra en tout cas si à la capture si je peux régler ce petit souci. Oui, il est déjà KO alors que ça vient de commencer, je vous avoue. Bon, tant pis. Allez, mange ça, toi. Oh oui, c'est bon. Allez, hop. Allez. Oui. Oh, l'attaque tournoyante. J'adore l'attaque tournoyante parce que c'est franchement extraordinaire, quoi. C'est un mec vraiment très balèze mais qui réussit à faire des attaques tournoyantes comme ça, c'est franchement super bien. Donc oui, alors en parlant des nouveautés peut-être de cet opus, bah écoutez, hormis le fait que justement il y a le tag, c'est-à-dire à deux personnages, réellement il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. C'est assez étonnant d'ailleurs. Enfin c'est étonnant non, parce que c'était pas vraiment prévu pour qu'il y ait des nouveautés. On le sait, les développeurs nous ont pas dit que ça va être révolutionnaire et compagnie. Ils ont juste dit on va améliorer un petit peu le fait, on va faire une petite révolution dans la série. Depuis c'est vrai que le Tag Tournament, le premier, on n'avait pas eu de nouvelles évolutions. Et là réellement le fait de pouvoir jouer à deux joueurs en dual, c'est bien. Alors par contre je suis désolé s'il y a des bugs dans tous les sens, mais... Franchement, je sais pas pourquoi ça me coupe une partie de la vidéo à chaque fois. Je sais pas, c'est dans mon jeu qui doit être buggé. Pourtant, il est tout neuf. Et je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas. Bon, tant pis, écoutez, je pense que vous êtes déjà bien content d'avoir un petit peu de gameplay. Donc, c'est déjà pas mal. Espérons que ça arrête de bugger parce que là, je peux vous avouer que j'ai l'impression que j'ai la capture qui bug tous les quarts d'heure, quoi. Bon, allez. Boum. KO. Oh, je l'ai allumé. Magnifique. Donc, en tout cas, on peut se rendre compte qu'au niveau des arrière-plans, c'est vraiment super travaillé. C'est très bien animé, je trouve. En tout cas, au niveau des graphismes, c'est vrai que Tekken 6 m'avait beaucoup plu. Je le trouvais super beau, en plus très coloré et tout. Peut-être un petit aspect plastique, mais bon, ça ne tient qu'à moi. Mais après, c'est vrai que le jeu est très très beau. Celui-ci, bon, il reprend évidemment le moteur de Tekken 6. Il n'y a pas de grands changements,
purement graphique et technique. Surtout technique, je sens pas de grands changements. Après, c'est peut-être un poil plus joli. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression. Mais c'est quand même assez similaire, hein. Il faut l'avouer, y a pas de grosse évolution. Mais c'est joli. Voilà, et puis comme on le dit toujours, les graphismes ne font pas un jeu vidéo, ne font pas justement le jeu vidéo, surtout un jeu de combat. J'ai envie de dire, surtout un jeu de combat, ça tient beaucoup, mais énormément sur le gameplay, quoi. Ça tient beaucoup sur la jouabilité. Et si vous prenez un jeu de combat pour les graphismes, par exemple, vous prenez des jeux en 2D, bah vous allez être déçu parce qu'il y a des jeux en 2D qui sont pas forcément très beaux, mais qui sont extraordinaires, de richesse par leur gameplay et différentes choses au niveau du contenu. Donc voilà quoi, c'est tout. Après, je viens de découvrir que... Oula, ça a rebugué, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. j'espère que je vais pouvoir adapter tout ça au montage. Ça fait rien, à chaque début de combat ça bug. Mais c'est pas grave. Bon, oula, le Steve là. Ok. Le kangourou, avec ses gants verts. Oula. Hop, donc je suis avec Bob l'éponge. En plus, il a une tête d'éponge. Voilà. Donc en tout cas, j'arrive bien à sortir des combos, même si j'ai pas réussi encore à sortir justement, comment dirais-je, des trucs comme des combos en dual, c'est-à-dire des combos avec deux personnages comme on le ferait justement dans un jeu comme Dead or Alive. Et ça m'embête un peu parce que je sais pas comment on fait, donc je sais qu'on switch de perso avec LB, donc ça c'est bien hein, déjà, voilà, mais le truc c'est que comment fait-on pour justement faire des attaques spéciales à deux joueurs en même temps. J'aimerais bien savoir. Comme le font par exemple Marvel vs Capcom 3 ou Dead or Alive, comme je vous ai dit. Tout simplement. Et je ne sais pas comment ils font cela. Ouh, Stevie ramasse. Oh, Bob. Et allez, petit tacle glissé. C'était beau. Et qu'est-ce que tu me tapes? Hop. Oh, je te frappe. C'est beau. En tout cas, faut être... Bon. Faut être un peu concentré quand même pour jouer parce que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de techniques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combos et de techniques à connaître. D'ailleurs, la liste des coups est présente. Ouh, je me suis relevé, je lui ai foutu les deux pieds dans la tronche. C'est magnifique, you win. Avec une jolie Christie à ma gauche. Non, mais je ne suis pas pervers, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que, au moins, le jeu est-il beau? Eh ben oui. Voilà, avec de jolis modèles. C'est tout. Sexy plus cool. Alors, j'ai pas compris pourquoi les adversaires ont des noms comme ça, mais ce n'est pas grave. Donc, encore une partie avec promotion. On va écouter, tant mieux. Hein. C'est super cool. Et donc, oui, c'est vrai que les bandes d'arcade nous offrent quand même pas mal de bons jeux. Alors, je vais vous montrer la liste des coups, donc qui est très important. Vous pouvez voir que, par exemple, mon personnage ici a la possibilité de faire 102 combos. Bon, pour être franc avec vous, je dois vous avouer que les derniers sont un peu durs à réaliser. Mais les premiers sont peut-être réalisables. Voilà. On va dire que pour moi, à mon niveau chui, on va rester dans les 10 premiers. Et pour les personnes qui savent jouer, eh ben, on va aller dans les tout derniers, vraiment avec des combinaisons de touches. Justement de 10-20 touches quoi, donc c'est assez impressionnant quand même, hein, faut l'avouer. Et là je ressors Christy, vas-y mange ça. En tout cas, oui, ce qui m'impressionne surtout dans ce jeu, c'est les arrière-plans, je les trouve bien animés finalement. Enfin, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu des jeux de combat comme, je sais pas moi, King of Fighters 13, bon, qui n'est pas forcément très comparable, mais ça reste un jeu de combat en 2D certes, mais ça reste un jeu de combat où j'ai cassé la vitre, c'est beau. Rénovation en cours, parce que j'ai cassé la vitre, énorme. Et justement, non, c'est vrai que les jeux actuels, on en demande de plus en plus niveau graphisme, donc ça c'est clair, mais en même temps, le plus important dans un jeu de combat, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est surtout le gameplay. Et là, force est de constater que la série Tekken est vraiment au top du top depuis maintenant quelques épisodes. Depuis Tekken 4, déjà je prends un malin plaisir à jouer, c'est énorme quoi, depuis la PS2. Après Tekken 6, ils ont peut-être amélioré quelques trucs, mais dans les bases, ils sont restés quand même du pareil au même. Donc vous pouvez voir que là, je suis avec Christy, et j'avais auparavant, je ne sais plus si je l'ai là, non je l'ai plus, j'avais le mode rage, donc en rouge, qui apporte une lueur rouge autour de mon personnage. Et ça, c'est présent depuis Tekken 6, si je ne m'abuse, je ne crois pas que c'était présent avant. Oh, elle m'a eu, KO, dommage. Et c'est franchement pas mal parce que le fait du mode rage, on va dire, c'est que tes coups sont plus puissants, je crois que c'est ça. Par contre, ils auraient pu le développer un petit peu plus, je sais pas, ils auraient pu mettre qu'on soit plus rapide, faire des attaques plus spéciales, plus spectaculaires et tout. Je pense que ça aurait pu être vraiment sympa. Oh le Bob. Allez, dégage. Je joue contre la 5ème Q. Ah, le premier Q. D'accord, donc à savoir que des fois dans le jeu, alors ça, ça n'engage que moi, mais il me semble que ça m'est déjà arrivé, donc je pense que ce sera présent plusieurs fois pour vous également. C'est tout simplement, on peut parfois tomber, par exemple, là vous pouvez voir que je suis en duo, donc je suis avec Bob et Christy, mais par exemple, on pourra tomber dans des duels 2 contre 1 ou 1 contre 2.
enfin non, 2 contre 1, parce que là j'ai pris 2 persos, et si vous prenez qu'un seul personnage en solo, et ben vous pourrez tomber contre un duo. Et ça c'est peut-être, je sais pas si ça va être bien, à voir si c'est bien équilibré justement, puisque justement si on se bat contre un adversaire, mais que l'adversaire en lui-même n'est pas plus dur que 2 adversaires, il va y avoir un petit problème, parce que on va peut-être vite en faire le tour. Donc écoutez, on va laisser couler ici, on va avoir le game over très classique. Attention, attention! Game over. Voilà, magnifique. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et on va passer justement parce que je vais vous montrer d'autres personnages, parce que si on reste toujours avec les deux mêmes personnages, vous allez me dire « Ouais, mais tu nous montres pas grand-chose hein, dans ta vidéo, tu nous montres juste Bob et Christy, quoi, hein, les deux personnes qu'on connaît déjà. Hein. » Bon écoutez, je sais que on va faire un petit mode survie, et je dois vous avouer quand même que je prends quand même les personnages que je joue à peu près correctement, même si comme je vous l'ai dit, je suis un peu noob dans Tekken. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié le Tekken 4, que j'avais vraiment beaucoup joué, le Tekken 6 un petit peu aussi, mais un petit peu moins que le 4 quoi. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une fille quand même, puisque je ne suis pas macho, enfin je pense, je sais pas quelle fille on va prendre. Non, on va prendre Ogre. Une jolie fille. Pourquoi je prends Ogre? Parce que je voulais vous montrer justement une sorte animal. Donc ça a encore bugué, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, hein, ça bug tout le temps de toute façon. Je voulais vous montrer Ogre, justement, voilà, le monstre. Ah oui, alors ça c'est un gros monstre avec une grande barbe, ça fait Père Noël un petit peu. Et tu n'arrives pas à ma cheville, bien sûr. Alors ce personnage que vous voyez là, qui est je suis ton pire cauchemar, c'est Bruce Denus. Non, c'est nul, d'accord. C'est Bruce, donc c'est exactement le clone, et je dis bien le clone, de Zack dans Dead or Alive. Et je vous assure, entre parenthèses, le clone parce que c'est le même style de combat. En clone parce qu'il a, il est black, voilà, mais juste par rapport au physique, hein, je parle, aucune discrimination, vraiment aucune. Oh non, pas Yoshimitsu, il est trop dur, et franchement, il ressemble vraiment beaucoup à Zack. J'ai sorti le gros monstre, donc c'est la première fois que j'y joue sur ce Tag Tournament 2 avec ce monsieur, avec ce joueur là, avec ce monstre complètement, avec cet ogre. Et force est de constater qu'il est assez puissant, même si, bon, il est pas aussi rapide qu'un... Ken Yoshimitsu par exemple, quoique. Après c'est une question de savoir jouer quoi. Peut-être des noobs comme moi, vous allez avoir du mal comme moi. Et sinon si vous avez joué, vous êtes un petit vétéran de Tekken, ça peut le faire. Donc voilà. Donc autant vous dire, ça a encore bugué, c'est pas grave. Autant vous dire, c'est chiant. Autant vous dire que si justement, comment dirais-je, si justement qu'est-ce que je voulais dire, ça a encore bugué, c'est pas grave. Attendez, c'est quoi ça, Jack? Alors je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Jack, d'accord. Jack, P-Jack. Ah, il est métallique. Donc j'espère pas vous procurer trop un gameplay pourri, même si c'est un peu le cas. Donc là, bam 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 bam. Oh, c'était beau. En tout cas, donc là, je tiens à dire que Lo, c'est un personnage que je sais pas mal jouer d'habitude. Bon, sans être non plus un vétéran. Mais je sais faire quelques combos avec lui. Gentil, voilà, comme ça, là, ce style de petit combo de 3-4 touches. Bon, très simple, mais assez ravageur quand même par moment. Et en tout cas, pour les personnes qui sont pas non plus très expertes de ce jeu, je pense que c'est vraiment sympathique de savoir faire des, au moins le minimum, quoi, les petits combos. C'est quand même bien sympathique, tout simplement. Bon, bah écoutez, final round, ready, do final round. J'ai eu une coupure ou quoi? Ouais, c'est pas grave, il y a encore une coupure. D'accord. You lose, ah bah je suis déjà mort. Ah bah c'est super ça. Donc en tout cas, je suis désolé si vous avez le droit à de nombreux bugs. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave, de toute façon on va continuer dans notre lignée. Je pense que vous avez vraiment pu voir des phases de combat très intéressantes. En tout cas, nous on va aller dans le labo de combat pour vous montrer un petit peu le prologue. Bah oui, on va commencer le prologue, ouais quand même. Hein. Pour vous montrer un petit peu ce que c'est que ce mode de jeu qui est le tuto. Non, par contre, oula, il y a des cinématiques. Bah non, bah passe vite alors. Parce que je veux pas spoiler. Ah, je veux pas me spoiler quand je le referai. Et je veux pas justement vous spoiler parce que les cinématiques, comme dirait l'autre, c'est spoiler. Voilà. Et justement, dans une découverte, il faut quand même éviter de spoiler un maximum, surtout quand c'est une exclue, quoi. Donc, je fais le jeu avant, mais au moins, il faut que j'évite de vous montrer des choses qui pourraient vous embêter par la suite, parce que vous l'avez déjà vu et que vous voulez avoir la surprise. Ok, donc tout semble se dérouler comme prévu, ok, blablabla. Démonstration. Mais c'est bon, arrête de me frapper, on passe direct au truc, quoi. Allez. Right, fight. Allez, donc, attendez. Donc, mais bien sûr que j'ai le... Ah non, j'ai pas le rythme alors. D'accord. C'est comme ça, non? Ah non, apparemment c'est pas bon. Ah, c'est quoi ce délire? D'accord. Alors, X, Y, A. Et c'est pas ça. D'accord.
Ah, y'a un bug. Ah, bug. Allez, X, Y, A. D'accord, je comprends pas. X, Y, A. Ah, d'accord. Oui, c'était ça. Eh ben voilà, c'est excellent. Ouais. D'accord. Oula, QTE. D'accord. Oh, joli. Impressionnant. J'aimerais bien savoir si on pourra faire ça dans le mode arcade. Qui est le mode, bien sûr, le plus gros mode du jeu. D'accord, donc bien sympa ce petit tuto. On passe vite la cinématique quand je pourrais. Voilà, c'est bon. Violet Girl débute. Oh, sexy. Non, mais je disais, voilà, c'est un mode de jeu bien sympa. C'est un petit, c'est une sorte de vraiment un gros tuto pour ceux qui ne connaissent pas les bases du jeu de combat Tekken. Donc je pense que c'est vraiment intéressant pour ces personnes-là. Par contre, on va pas non plus y rester 50 ans sur ce mode de jeu. Et pour finir, on repassera bien évidemment sur les combats classiques en mode survie. Je pense qu'on va faire un petit mode survie pour finir après. Ça peut être marrant. C'est une catastrophe. D'accord, la faute à qui ? Bon, je passe pour éviter de vous spoiler. Bon, même si là, c'est pas vraiment un gros spoil, vu que c'est juste l'explication des touches. Voilà, donc il vous explique les touches, tout simplement. Il faut répéter 3 fois l'action qui vous est demandée par le monsieur violet. Hein, ça fait un peu tarlouze hein, au passage, mais bon, c'est pas grave. Et essayez de vous accroupir, voilà. Donc ils nous apprennent à se déplacer, les pas latérales, à s'accroupir, à sauter. Après, je suppose qu'ils nous apprennent à frapper, à donner des coups de poing, des coups de pied, etc. Peut-être qu'ils nous apprendront des combos complexes, mais ça, je suis pas convaincu. C'est peut-être plus pour nous apprendre vraiment les bases, je pense. Mais rien n'est moins sûr, hein. Peut-être qu'ils vont nous apprendre vraiment des combos difficiles à effectuer pour les noobs. Ça peut être vraiment sympathique, en tout cas. En tout cas, mais ce qu'il y a de bien avec ce Tekken, et que je remarque quand même, j'y ai joué auparavant, c'est pourtant, je suis pas un grand connaisseur de la série, mais c'est bien, ce qu'il y a de bien, c'est que le jeu s'adapte à tout type de joueurs, c'est-à-dire que justement, en tant que ceux qui connaissent pas trop les bases, pourront jouer et bien s'amuser sur ce jeu, autant les vétérans vont vraiment s'éclater, parce qu'ils connaîtront les techniques, etc. Donc pour les deux profils de joueurs, c'est vraiment intéressant. Allez, on va retourner au menu principal, et on va finir cette vidéo découverte par quelques combats en mode survie, je pense, donc mode hors ligne. Et attendez, défi chronométré, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je réfléchis. On va faire plutôt un défi chronométré, je pense que ça peut être plus sympa. Bon, mode survie, bon, c'est un peu trop classique, hein, parce que le mode survie, on en voit vraiment de partout, quoi. Mode survie, c'est vraiment bon, survivre le plus longtemps avec sa jauge de vie. Je pense que c'est vraiment très classique, donc on va essayer de faire un truc un peu original, chronométré. Et on va prendre Steve, le boxeur, et enfin, ah, je crois que c'était une fille. Et on va prendre une fille, justement, bon, je vais pas prendre la même, hein. Qui est-ce qu'on va prendre? On va prendre de... Lily, ou... Lily, ouais. Lily, elle est sexy. Allez, on va prendre ça. Voilà, on prend Lily, la blondasse. Voilà. Oh, je n'ai rien contre les blondes, bien sûr. Hein, mais bon, voilà. Un petit bug, encore une fois. Donc, en tout cas, pour terminer sur cette vidéo, pour le combat Steve, Lily versus je ne sais plus qui. Le Zach Light qui est... et je ne sais plus qui. Lui, il se la pète, en tout cas. Et Zach et... et je ne sais plus qui. Comment il s'appelle et déjà celui-là, on dirait une fille d'ailleurs. Léo, voilà, c'est ça, Léo. Je me souvenais plus. Oh là là. Alors, par contre, je ne sais pas vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'être dans Sleeping Dogs avec, dans ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve sur le bateau avec des signes chinois, etc. Avec des cannes à pêche, des poissons, etc. Et vous allez voir que, regardez, on dirait le bateau de Sleeping Dogs justement quand on traverse, vous savez, la mer et qu'on a la salle de jeu dans Sleeping Dogs. Et c'est vraiment excellent, quoi. J'ai l'impression d'être dans Sleeping. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je suis désolé, je tiens à m'excuser pour ces nombreux bugs qui ont parcouru cette vidéo, qui ont fait leurs apparitions. Ça m'embête beaucoup, j'ai été obligé de faire quelques petits montages, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, niveau graphique, un jeu qui n'a pas vraiment évolué depuis Tekken 6, mais qui se montre assez joli, comparé aux productions actuelles, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. De très beaux effets, vous pouvez voir des beaux effets de lumière, de très belles animations concernant les personnages et les décors, parce que vous pouvez voir que derrière il y a les drapeaux, il y a les pêcheurs, il y a vraiment plein de choses qui bougent, les ombres, les poissons, c'est vraiment super bien animé. Donc niveau graphisme, pour moi c'est du très très bon, du très très bon, je dirais pas de l'exceptionnel, parce qu'il y a quand même un petit côté plastique, mais pour le reste c'est vraiment du très très bon. Ensuite niveau gameplay, j'ai qu'une chose à dire, c'est du Tekken. Donc le Tekken, vous le savez, c'est rodé depuis maintenant quelques années, il n'y a pas de souci. C'est un gameplay bien particulier à la série, que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément
comment dirais-je, qui en met pas forcément plein la vue, par exemple comme un Dead or Alive ou je sais pas, comme un Mortal Kombat, plus récemment sorti. Mais c'est un jeu technique, quand même, un minimum, il faut bien connaître les combos, etc. Bon, vous me direz, comme beaucoup de jeux de combat, comme la plupart d'ailleurs, arrête de te la péter, toi. Et puis voilà, niveau jouabilité, c'est vraiment du Tekken, il n'y a rien qui change, hormis le fait de pouvoir jouer justement à deux joueurs, toujours le mode rage, voilà, les possibilités, les combinaisons, vraiment plein de choses. Niveau durée de vie, bon, je suis curieux de voir, par contre, il n'y a pas de mode histoire, apparent, pardon. Et donc voilà, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est Tactonamon 2, c'est plus une version arcade d'un jeu. Et pour que ce soit arcade, faut pas qu'il y ait purement un mode histoire. Bon, après, je sais que les médias tels que jeuxvideo.com, etc., vont peut-être critiquer le jeu parce qu'il n'y a pas de mode histoire. C'est vrai que jeuxvideo.com, par exemple, sont réputés pour ça. Mais bon, bref, on va pas faire de polémique sur les différents sites et les médias de jeux vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu claque. Tout simplement, pour moi, c'est un très très bon jeu de combat qui tient bien la route. En tout cas, le mot qui peut le mieux lui correspondre, c'est qu'il est mature et bien rodé. Voilà, je pense. Niveau bande-son, bon, c'est différent à chaque niveau, à chaque map. C'est appréciable, voilà, on a de très belles musiques, de très bons thèmes, justement, adaptés pour chaque niveau. Et c'est excellent, par exemple, une ambiance bien japonaise, bien chinoise, bien asiatique. Pour certains niveaux, des ambiances plus détentes pour d'autres, par exemple à la plage. Vraiment, c'est très bien fait. Et il faut noter quelque chose, c'est des décors, des niveaux peut-être assez irréguliers. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des niveaux qui sont beaucoup plus beaux que d'autres. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais cela dit, le jeu reste vraiment très correct au niveau de la réalisation. Et comme je l'ai dit au moins deux fois dans cette vidéo, la réalisation ne fait pas le jeu. C'est surtout le gameplay qui fabrique un jeu de combat et qui en fait sa réputation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo découverte, je vous présente un petit bonus qui est tout simplement un trailer de ce jeu Tekken Tag Tournament 2. Ça s'appelle le trailer Bikini, je crois, c'est assez drôle. Et en tout cas, je tenais à m'excuser pour les différents bugs qu'il y a eu tout au long de cette vidéo découverte, qui s'est assez mal passé d'un point de vue purement technique, vu qu'il y a eu quelques coupures de séquences de jeu. Donc je m'en excuse d'avance, enfin en retard on va dire, vu que c'est la fin de la vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette découverte de Tekken Tag Tournament 2, qui m'a fait vraiment une très bonne impression. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.